parfois le langage peut être performant techniquement et le patient dans la vie de tous les jours malheureusement peut sauter du coq à l'âne, avoir des difficultés à raconter, à expliquer des choses ou alors être trop familier, monopoliser la parole, avoir du mal à développer ses idées. Et souvent les aidants décrivent des quiproquos, des changements de comportement, des propos incongrus. Gali est un matériel élaboré par Claire Saint-Son et Héloïse Guillot, qui sont des orthophonistes. Il est destiné à l'évaluation des difficultés que peuvent avoir certains patients en situation de conversation. Les patients victimes de traumatismes crâniens, d'AVC, de tumeurs cérébrales, mais aussi des patients présentant des maladies neurodégénératives débutantes, Alzheimer, démence frontotemporale, aphasie progressive primaire, sclérose en plaques. En fin de compte, ce dont on s'aperçoit, c'est que les troubles conversationnels, qui font partie des atteintes des habiletés sociales, sont bien plus fréquents qu'on ne le pense. Gali peut également s'adresser donc à des patients aphasiques qui ont bien récupéré, qui se plaignent de difficultés de communication au quotidien. Donc concrètement, on commence par un entretien filmé entre l'orthophoniste et son patient. Ça peut très bien être un entretien entre le patient et une personne de son entourage, c'est même encore mieux. On lance un thème, ça peut être un fait d'actualité, un article de journal, un événement de sa vie. Le tout, c'est d'être le plus naturel possible. Ensuite, on revisionne la vidéo et tout simplement, on répond aux questions de l'interface logicielle. Donc, on remplit un questionnaire à tiroir, ce qui a pour objectif de cibler les difficultés et d'être rempli assez vite puisque ce sont des questions à répondre par oui ou par non. L'analyse conversationnelle est effectivement peu connue. Donc, pour chaque item, il y a un PDF d'explication, une petite vidéo d'explication qui nous aide vraiment à analyser les mimiques, l'intonation, etc. du patient. Et si véritablement on veut aller plus loin, on a de nombreuses informations sur l'intonation, la cohérence, le regard, les pauses et les chevauchements, etc. À la fin, les résultats apparaissent sous la forme d'un graphique. Et puis, les points qui posent problème sont spécifiquement indiqués et permettent de cibler la rééducation. Ces troubles sont à prendre en charge, car malgré le fait qu'ils soient très fins, ils sont très invalidants au quotidien. Ils peuvent effectivement être un frein à une communication familiale satisfaisante. Le patient peut être isolé, s'isole lui-même. Et donc, en rééducation, il est véritablement nécessaire d'en faire prendre conscience le patient, mais également son entourage. Chaque point peut ensuite faire l'objet d'une rééducation spécifique. Donc ce logiciel permet donc d'évaluer la conversation du patient, mais également de vous auto-former à l'analyse conversationnelle.